temps encore l'Amérique pourra-t-elle ignorer que le monde est en guerre? À Berlin, Rome et Tokyo, on nous dépeint comme une nation de faibles et d'insouciants qui compte sur les soldats britanniques, russes ou chinois pour combattre à leur place. Je pars pour la guerre. Débrouille-toi pour revenir, pour nous, d'accord? On nous a habitués à penser que nous étions invincibles. Maintenant, les gens pensent qu'Hitler et ses crapules nazies sont le problème de l'Europe. Qui peut croire que la victoire est possible sans affronter le danger? Les Japonais montrent des signes d'agressivité. Le 7 décembre 1941. Une date à jamais marquée. Du saut de l'infamie. Nous sommes en guerre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État critique. Aujourd'hui, j'attaque une critique qui, d'après moi, devrait susciter le même type de réaction de la part de certaines personnes que mes analyses sur Le ciel, les oiseaux et ta mère, Armageddon, The Faculty et autres longs métrages inutiles. J'avoue que notre film du jour, je le craignais un peu. Je partais avec beaucoup d'a priori venant notamment de mon premier avis en sortie de salle à l'époque de son exploitation. Aujourd'hui, je vais me plonger dans un film que j'ai étudié sous toutes les coutures, avec détachement vis-à-vis de mes premières opinions sur celui-ci, afin de tâcher d'essayer d'en ressortir le meilleur, afin de mettre des mots et une logique sur tous ces aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs. Aussi, je tiens à mettre directement les points sur les i, les trolls. Il est l'heure d'aller vous coucher, demain il y a école. Qui es-tu pour critiquer des films qui ont cartonné? Réalise ton propre film et après on verra. Pearl Harbor, c'est un chef-d'œuvre, tu n'as rien compris. Bla bla bla, etc. etc. Cette vidéo est dédiée à tous les trolls du monde qui, après avoir vu cette critique, tâcheront certainement de me pourrir avec des commentaires que j'attends avec impatience. Plus sérieusement, ceux qui ont un minimum de recul, avec une conviction bien établie et une opinion bien construite, en phase ou non avec mon avis, sont évidemment ceux qui m'intéressent ici le plus. À vos avis, voici le mien, mais avant ça, présentation. Aujourd'hui au programme donc un des plus gros hits américains de l'année 2001, la relecture d'un événement majeur qui fit basculer la Seconde Guerre mondiale, un long métrage adulé par les uns, détesté par les autres, un film qui m'a pas mal pris la tête, je vous l'avoue entre nous. Je veux bien évidemment parler de Pearl Harbor, sorti en France le 6 juin 2001 et réalisé par le bourrin Michael Bay. Michael Bay, l'un des metteurs en scène de cinéma catastrophe et d'action les plus puissants d'Hollywood, mais également l'un des réalisateurs américains les plus critiqués au monde. Il débuta sa carrière en signant des clips vidéo pour Tina Turner ou Lionel Richie et également en mettant en scène des publicités pour Nike ou Reebok. Son premier gros coup, il le fera en 1993 avec la célèbre campagne publicitaire Got Milk pour inciter le public à consommer du lait de vache. En 1995, il réalise son premier long métrage, Bad Boys, produit par Jerry Bruckheimer, le nabab des blockbusters hollywoodiens. Ensemble, ils collaboreront sur 5 films. Bay signera Rock en 1996, Armageddon en 1998, Pearl Harbor en 2001 et Bad Boys 2 en 2003. Il s'émancipe de Bruckheimer en 2005 avec The Island qui sera malheureusement un échec commercial
aux États-Unis. Le succès, il le retrouvera très vite avec Transformers en 2007, puis Transformers 2 La Revanche en 2009, et enfin Transformers 3 La Face Cachée de la Lune en 2011. Son prochain film doit sortir chez nous en France en mai 2013. Au casting de notre film du jour, nous pouvons retrouver une nouvelle génération de comédiens et comédiennes encore très peu présents à l'époque de la sortie du long métrage, mais qui par la suite se fera connaître en enchaînant certains des gros films hollywoodiens de la décennie. Cette génération est notamment incarnée ici par Ben Affleck. Devenu une vedette en 1998 grâce à son rôle dans Will Hunting, mais encore plus grâce à l'Oscar du meilleur scénario qu'il a remporté cette année-là grâce à ce long métrage, Ben Affleck deviendra l'une des coqueluches d'Hollywood au début des années 2000. Armageddon en 98, Dogma en 99, La Somme de toutes les peurs en 2002, Daredevil en 2003, etc., etc. Ben Affleck se fait plus rare ces dernières années pour se consacrer à des projets plus ambitieux et passionnants. À ce titre, impossible de ne pas évoquer The Town, sorti en 2010, qu'il a lui-même réalisé, ou To the Wonder en 2013, réalisé par Terrence Malick, dans lequel il joue le premier rôle. À ses côtés dans Pearl Harbor, nous pouvons retrouver Kate Beckinsale, star de la saga Underworld, et Josh Hartnett, plus connu pour ses relations amoureuses, notamment celle avec Scarlett Johansson, que pour ses prestations dans ses films. À ses côtés également, Cuba Gooding Jr., Colm Feore, John Voight, Alec Baldwin et Tom Sizemore. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Ralph McCauley et Danny Walker sont les meilleurs amis du monde et également pilotes dans l'US Air Force. Ralph est amoureux d'Evelyn, une jolie infirmière, mais malheureusement, il lui annonce qu'il s'est porté volontaire pour rejoindre une escadrille qui combat avec les pilotes britanniques contre les Allemands pendant la bataille d'Angleterre. Evelyn et Danny, eux, apprennent qu'ils sont mutés à la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï dans le Pacifique. Pendant qu'ils se font dorer la pilule, observant de très loin la guerre, Ralph est abattu en plein vol de l'autre côté de la planète. Tout le monde le pense mort, Evelyn est inconsolable, mais trouve finalement le réconfort dans les bras de Danny. Entre eux, une nouvelle histoire d'amour débute. Sauf que Ralph n'est pas mort et débarque à Hawaï. Nous sommes à la fin de l'année 1941, au moment même où le Japon va décider de lancer une attaque meurtrière sur la base de Pearl Harbor. Vendu comme un croisement entre Titanic et le soldat Ryan, notre film du jour ne brille pas par son originalité. Nous tâcherons de voir ce qui peut être sauvé et ce qui ne peut pas l'être. Mais avant ça, intéressons-nous à une date clé de la Seconde Guerre mondiale, le dimanche 7 décembre 1941. En 1941, la Seconde Guerre mondiale ravage l'Europe et le Pacifique. La France est occupée depuis à peu près un an par les forces militaires de l'Allemagne nazie menées par le Führer Adolf Hitler. L'Europe entière est dévastée par la guerre et l'occupation nazie qui s'étendent de plus en plus. Le Royaume-Uni résiste cependant aux bombardiers et aux sous-marins allemands. Hitler décide alors d'envahir l'URSS de Staline qu'il pense vaincre en 3 mois. Il s'agit de l'opération Barbarossa lancée au mois de juin 1941. En Afrique, l'Afrika Korps, les divisions allemandes commandées par le général Rommel, avancent en Libye puis en Égypte, dominant alors les forces britanniques en présence dans la région. En URSS, la Wehrmacht progresse vite, mais au mois de décembre, alors qu'elle n'est qu'à une trentaine de kilomètres de Moscou, elle s'arrête net. Commence alors pour le soldat allemand un enlisement au cœur de l'hiver sibérien qui durera des mois et qui se soldera par la défaite de Stalingrad début 1943. De l'autre côté de la planète, le Japon est en guerre avec la République populaire de Chine depuis 1937 et commence à envahir avec une progression fulgurante tout le Pacifique. Et les États-Unis alors? Eh bien les Américains, ils sont loin de la guerre à ce moment-là. Certes, ils prêtent leurs pilotes aux Anglais pendant la bataille d'Angleterre, certes, ils fournissent des munitions à leurs alliés, mais les États-Unis se tiennent à l'écart du conflit. Pour deux raisons, la première parce qu'ils restent encore bien marqués par la Première Guerre mondiale, la seconde parce qu'ils ne sont pas prêts à faire face à un conflit armé. Pas assez d'hommes, des avions pour la plupart dépassés, et puis une opinion publique pas très favorable à une éventuelle entrée en guerre. Malgré sa distance avec le conflit, les États-Unis n'ont pas que des amis partout dans le monde. L'Empire du Japon provoque les Américains en multipliant les attaques envers ses alliés, que ce soit les Français en Indochine ou les Chinois. Suite à cela, les Américains vont imposer aux Japonais un embargo pétrolier, ce qui accentuera les tensions entre les deux pays. Les Japonais vont donc commencer à élaborer un plan d'attaque de leur armée contre le sol américain.
Nous sommes en novembre 1941 lorsque Hirohito, l'empereur du Japon, approuve le plan. Celui-ci consiste à détruire la base américaine de Pearl Harbor, située à Hawaï, au beau milieu du Pacifique. L'objectif étant de supprimer la plupart des installations militaires susceptibles d'être les centres névralgiques d'une opération militaire américaine dans le Pacifique. Les cibles sont des cuirassés, des aérodromes, des casernes, etc., etc. Hirohito approuve donc le plan et une flotte japonaise composée de 8 porte-avions et d'environ 400 avions fait ainsi route vers Pearl Harbor le 14 novembre 1941. L'attaque sera lancée sans déclaration de guerre officielle. Nous sommes le 7 décembre 1941, il est environ 6-7 heures du matin lorsque la première vague composée de 183 avions s'envole vers la base de Pearl Harbor. À 7h53, l'attaque débute. Les principales cibles sont touchées, les cuirassés et les destroyers sont détruits les uns après les autres, provoquant des dizaines de morts. Les installations aériennes sont également frappées, des dizaines d'avions américains au sol sont détruits par les zéros japonais. L'USS Arizona est touchée par deux bombes de 800 kg, 1000 morts. L'USS Oklahoma prend 5 torpilles, 400 morts. L'attaque de Pearl Harbor est meurtrière et les victimes se comptent en centaines. La matinée n'est même pas terminée lorsque les Japonais se retirent. Le bilan humain de cette attaque surprise est lourd et terrifiant. 2403 Américains sont morts, la plupart étant des militaires. 188 avions, presque la totalité des appareils postés sur la base, ont été détruits. Côté japonais, le bilan est beaucoup moins lourd. 55 morts et 29 avions abattus sur les 350 ayant attaqué la base. L'attaque de Pearl Harbor est la première attaque d'un adversaire étranger sur le sol américain. Le drame de Pearl Harbor va marquer un tournant majeur dans la Seconde Guerre mondiale puisque désormais les États-Unis décident de s'engager dans le conflit en déclarant la guerre à l'Empire du Japon. 4 jours après Pearl Harbor, les Allemands et les Italiens déclarèrent la guerre aux Américains. À partir de cet instant, suite à cet événement, la guerre devient mondiale. La suite, on la connaît, les Américains se battent contre les Japonais dans le Pacifique et peu à peu ils prennent le dessus sur les Nippons, les Allemands reculent après Stalingrad, les Américains débarquent en Afrique du Nord puis en Normandie en 44, l'Allemagne nazie capitule en 45 et pour en finir avec la guerre dans le Pacifique, les Ricains larguent 2 bombes atomiques sur le Japon. L'attaque de Pearl Harbor est donc restée pour beaucoup et surtout pour les Américains comme l'un des moments clés de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc sans réelle surprise que le cinéma hollywoodien se réapproprie le sujet dans certains de ses films. Parmi ses longs métrages, nous pouvons citer Air Force d'Howard Hawks sorti en 1943, Tant qu'il y aura des hommes de Fred Zinnemann en 1953, 1941 de Steven Spielberg en 1979 ou Nimitz Retour vers l'enfer en 1981. Le film le plus marquant et le plus fidèle, même encore aujourd'hui, relatant avec réalisme et sincérité l'attaque de Pearl Harbor, c'est inévitablement le superbe Tora 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 de Richard Fleischer sorti en 1970. Notre film du jour est actuellement le dernier long métrage en date qui s'est intéressé à l'attaque de Pearl Harbor. Produit par Jerry Bruckheimer et réalisé par Michael Bay, les gros bonnets du blockbuster bourrin à l'américaine, on peut déjà écarter la notion de subtilité des lignes de notre film du jour. Évidemment, en 2001, Pearl Harbor, le film bénéficiera d'un tapage médiatique assez conséquent, d'autant plus que celui-ci sort l'année du 60e anniversaire de l'attaque. Les critiques et la profession ne seront pas tendres avec notre film du jour, mettant en avant ses nombreuses incohérences historiques ou son pathétique triomphalisme américain. Pearl Harbor sera nommé à 6 reprises aux Razzie Awards dans des catégories comme pire film, pire acteur, pire réalisateur ou pire scénario. Paradoxalement, si Pearl Harbor se fera bousiller par les critiques, le public, lui, il suivra. Doté d'un budget de 140 millions de dollars, le long métrage de Michael Bay réunira un peu moins de 450 millions de dollars de recettes partout à travers le monde, ce qui en fait l'un des hits cinématographiques de l'année 2001. Au box-office mondial de cette année-là, Pearl Harbor se positionnera à la 6ème place. En France, notre film du jour réunira plus de 2,5 millions de spectateurs, dont moi, qui n'avais pas encore 11 ans à cette époque-là. Avec un tel chiffre, Pearl Harbor se place à la 17ème place des plus gros succès du box-office en France en 2001. Mauvaise critique, très grand succès. Pearl Harbor est donc un paradoxe. Nous allons nous plonger maintenant dans l'analyse de notre film du jour dans le but de le définir réellement et de comprendre vraiment ce qu'il est. Faut-il aimer ou détester
Pearl Harbor. N'étant la voix d'aucune raison, je n'ai absolument pas la légitimité de vous dire si vous avez raison ou tort d'aimer ou de détester notre film du jour. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de comprendre. Comprendre là où les éléments qui définissent Pearl Harbor en tenant compte de tout ce qui l'entoure, ses convictions, sa mise en scène, ses enjeux, etc. Avant le film, nous avons un événement, un fait majeur qui possède une empreinte bien marquée dans l'histoire d'un pays. Si pour nous Français l'attaque de Pearl Harbor n'évoque pas grand-chose, pour les Américains il s'agit d'une tragédie nationale et d'une date importante dans l'histoire des États-Unis. Pearl Harbor, le film, doit donc devenir l'illustration d'un fait majeur de l'histoire d'un pays. Bien. L'idée d'illustrer par le biais d'un long métrage un événement de l'histoire d'une nation n'est pas une idée stupide. Illustrer son patrimoine dans le but de susciter une réflexion, le film peut permettre dans ce cas de nous aider à étudier le passé de notre nation par le biais d'un événement précis dans le but de comprendre l'évolution de l'histoire de cette même nation. Un film qui mettra en avant avec réalisme l'implication de l'État français dans la Shoah aura pour conséquence, par exemple, de remettre certaines choses à leur place, dans certains cas de lancer des débats, mais surtout de préserver la véracité de l'histoire, d'être l'illustration d'un fait, le témoignage d'un événement marquant dans l'histoire de la France. Le réalisme est un point important pour cela. Par contre, un long métrage qui prétend illustrer un fait dans le but détourné et sous-entendu de servir ses propres intérêts, en occultant certains détails, en trompant le spectateur, ne peut pas devenir une illustration propre et parfaite à cause de l'absence ou du détournement de la vérité. Le réalisme est un point essentiel et selon son dosage, un film relatant un fait historique propre à une nation peut devenir soit anti, soit neutre, soit pro. Concernant Pearl Harbor, il y aurait pu y avoir un film anti-patriotique, anti-américain, même si à mon avis, un blockbuster américain anti-américain, ça n'aurait eu aucun sens. La neutralité, elle, a déjà été exploitée avec Torah, Torah, Torah. Notre film du jour, lui, s'oriente davantage vers un film pro-américain, à tendance présomptueux, voire méprisant. Michael Bay est un magicien dont le talent ne trompe que les personnes qui se laissent prendre dans ses filets. Les cinéphiles de la première heure savent à quel point Monsieur Bay use d'artifices séduisants pour jouer avec le spectateur lambda. Le spectateur lambda, lui, ne s'intéresse pas au metteur en scène, ce qu'il veut, lui, c'est être diverti. Sauf que dans certains cas, divertissement se confond avec manipulation et malheureusement, beaucoup de personnes ne savent pas voir la différence. Michael Bay parvient avec une habileté encore plus soignée que dans son précédent film à séduire le spectateur pour mieux le tromper. Observons simplement la première heure du long métrage. Une longue histoire d'amour sommaire, homme rencontre femme, homme part à la guerre, femme est triste. Le spectateur est dirigé vers du romantisme rudimentaire où il est capturé facilement avec de vieilles recettes sans saveur. Cette heure de film particulièrement superficielle dans son fond oriente le regard vers une cuillère qui brille tout en laissant la guerre, le conflit au second plan. De petites références sont faites ça et là, mais la première heure de Pearl Harbor ne laisse absolument pas présager que l'on observe un long métrage illustrant un fait historique. Progressivement, Danny, Rafe et Evelyn et le triangle amoureux qu'ils représentent est sublimé, mis en scène avec un regard de fascination. Puis, soudain, c'est le drame. L'attaque de Pearl Harbor arrive comme un ballon de baudruche qui explose. Le paroxysme de cette surbrillance des personnages est mis en exergue. Pearl Harbor perd dès lors sa fonction d'illustration réaliste d'un fait historique pour devenir un prétexte superficiel qui au bout du compte servira l'intérêt du patriotisme américain. Mais la tromperie ne s'arrête absolument pas là. Au contraire, Michael Bay va aller jusqu'au bout de son sujet. L'attaque de Pearl Harbor est une défaite cuisante de l'armée américaine. Un moment où les États-Unis vont être traînés plus bas que terre par un adversaire dont ils ont sous-estimé la menace. Pearl Harbor est une défaite. Point. Ça, c'est la réalité. Eh bien, Michael Bay va parvenir sans subtilité et avec impertinence, impertinence que le grand public ne verra pas, plus c'est gros, moins ça se voit, à transformer une défaite en une victoire. Déjà qu'on nous impose le point de vue américain, en ridiculisant en plus le point de vue japonais, en le caractérisant d'une façon insultante et méprisable via des personnages fanatisés et donc méchants, Pearl Harbor en rajoute une couche en faisant de l'attaque un simple déclic
et non une tragédie pour se lancer dans une guerre justifiée. Honnêtement, même n'ayant pas vécu à cette époque-là, c'est pas compliqué d'imaginer que les vraies raisons de l'entrée en guerre des États-Unis vont au-delà de la simple vendetta suite à l'attaque de Pearl Harbor. C'est plus qu'évident qu'il y avait des antécédents. Eh bien, d'après le film, non. C'est à partir de la fin de l'attaque que le long métrage va devenir hypocrite. La première heure du film, avec une mièvre histoire d'amour, était loin de tout ce qui pouvait entourer la politique étrangère des États-Unis. Passé l'attaque, la liberté est menacée, donc on bombe le torse et on part défendre la liberté au nom de la démocratie. Quand la crédulité rencontre la bêtise. Derrière, on te pète le récit d'une contre-attaque improvisée sur Tokyo, contre-attaque portée en louange ici, alors que la portée pendant la Seconde Guerre mondiale fut quasi nulle. Un récit parallèle assez méconnu pour en faire une belle et grande victoire. Tromper la réalité encore et encore. La mise en scène de Michael Bay est évidemment le moyen le plus efficace pour illustrer cette tromperie. Le cadre, les couleurs, les ralentis, tout est fait pour sacraliser les personnages jusqu'à la toute fin du film. Pourtant, malgré cette utilisation peu reluisante de sa réalisation, il faut reconnaître qu'en retirant tout le propos du film, en ne gardant que l'image brute, Michael Bay possède un grand talent pour dessiner ses plans. Ses images sont magnifiques, les couleurs, les couchers de soleil, les ombres, le rapport entre l'image réelle et l'image numérique, tout est excellemment constitué. En gros, Pearl Harbor est un film beau par l'image, mais unique par l'image. S'il s'agissait d'un film qui ne racontait rien, sans le moindre parti pris, Pearl Harbor aurait le simple mérite d'être beau. Là, il est beau, mais aussi arrogant, méprisant et con. Au niveau des comédiens, on a la sensation plutôt désagréable de sentir que tous semblent avoir été lâchés dans le film sans bénéficier d'une quelconque direction. Ben Affleck fait le beau pendant une dizaine de minutes, puis finit par lâcher prise, ne véhiculant ainsi aucune émotion. Josh Hartnett, qui apparaît comme l'opposition de Affleck, tranchant avec l'assurance et le machisme sous-entendu de ce dernier pour essayer de s'imposer comme le penchant sensible de l'homme avec un grand H et de l'américain avec un petit A, est d'une fadeur extrême, la faute aussi à des dialogues insipides et sans âme. Quant à Kate Beckinsale, elle n'apporte aucun enrichissement à son personnage, le rendant vulgaire, voire assez antipathique sur la fin. Cela dit, je ne connais pas un seul acteur qui peut se vanter d'avoir signé son plus grand rôle sous la direction de Michael Bay. Donc, faut-il jeter la pierre aux comédiens ? En conclusion, Pearl Harbor mérite une alerte bousasse, non pas parce qu'il s'agit d'un immonde nanar débile dont on se moque, mais parce que son propos et ses enjeux s'éloignent de toute raison, de tout respect et de toute véracité historique. J'entends déjà les pros Pearl Harbor me dire « Mais attends, tu aimes Titanic, qui est une fiction dans un fait réel. Comment ne peux-tu pas aimer Pearl Harbor ?» Tout simplement parce que James Cameron ne promulgue à son film aucune portée patriotique malsaine, et surtout, lui, il sait rendre une histoire d'amour passionnante, et ce grâce à une mise en scène intimiste délicatement posée qui transcende le montage tapageur de Michael Bay. Pearl Harbor se désagrège aussi bien sur le fond que sur la forme de minute en minute. Lui qui devait être vu comme un film dédié à la mémoire des victimes a la fonction inverse de déformer l'image de ces derniers. Ils deviennent des martyrs, morts face à l'oppresseur, alors que les civils japonais, eux, ceux qui sont morts pendant le bombardement de Tokyo, même plus tard à Hiroshima ou Nagasaki, ce sont des méchants fanatisés, donc c'est moins grave. Je ne suis pas anti-américain et mon point de vue n'est pas celui d'un anti-américain. Mon point de vue est celui de quelqu'un qui a vu un film aussi patriotique que vulgaire et arrogant. Peut-être s'agit-il d'une œuvre qui renferme une vision de cinéma de propagande. Moi, je pense surtout que Pearl Harbor est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'il s'agit d'illustrer un événement national. Tora, réussissez cet exercice avec brio, partageant les points de vue, mettant en avant aussi bien la force de frappe japonaise que la faiblesse des Américains, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Les faits, uniquement les faits. Pearl Harbor va au-delà des faits. C'est pourquoi il mérite cette alerte bousasse. Avant de vous laisser, votre opinion est la vôtre, la mienne m'appartient. Je dis ça aux petits trolls qui n'ont pas entendu mon message tout à l'heure. Si vous voulez discuter de vos opinions sur ce film, laissez-moi des commentaires ou retrouvez-moi sur Facebook. Sur ces mots, je vous laisse. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!